Ici tout commence en avance du 13 septembre 2021, résumé détaillé et spoilé épisode N226. Pour les plus impatients des fans de Ici tout commence, voici le résumé complet, détaillé et exhaustif de l'épisode qui sera diffusé ce lundi 13 septembre 2021. Résumé exclusif ne pouvant être repris sans autorisation. Jasmine ne veut pas aller en cours et envoie promener Deva. Elle se montre désagréable avec elle puis change d'avis et décide de s'habiller. En cours, Jasmine reste distante avec Deva. Clotilde trouve leur dressage élégant et précis et le plat très réussi et équilibré. Il y a juste un petit détail à régler mais rien de grave. Seule Deva est ravie des compliments de la chef. Jasmine elle fait une montagne de la dernière remarque de la chef et regrette de s'être levée. Elle jette même le plat qu'elle vient de préparer car pour elle c'est de la merde. Plus tard Clotilde félicite une nouvelle fois Deva puis lui demande si ses relations avec Jasmine s'améliorent. Effectivement elle lui pose moins de questions même si elle la trouve triste et agressive aujourd'hui. Clotilde trouve la réaction de Jasmine bizarre quand elle apprend qu'elle a jeté le plat alors qu'elle a tout fait pour les rassurer. Elle décide d'aller lui parler pour savoir ce qui ne va pas. Elliot sert un verre de vin à une cliente qui trouve qu'il a un drôle d'odeur. Quand il le goûte, c'est un vin bouchonné. Le client fait sentir le vin à Elliot. Lisandro intervient aussitôt et se rend aussitôt compte que le vin est bien bouchonné. Il demande à Elliot de passer le voir après le service, ce qui inquiète le jeune homme qui a peur de se faire virer. Il est démoralisé et pense qu'il ne sert à rien. Elliot explique donc à Lisandro que son odorat peut revenir mais on ne sait pas quand et qu'il faut tout pour améliorer le processus qui ne fonctionne pas pour le moment. Lisandro est prêt à se montrer patient et ne parlera pas de cet incident à Emmanuel. Mais dorénavant, Elliot devra faire vérifier auprès de son professeur ou de ses camarades les bouteilles qu'il sert aux clients. Lisandro demande aussi de venir lui parler si quelque chose d'autre l'handicape. Elliot est ravi et sait pouvoir compter sur Hortense qui sera son nez. Antoine révèle à Guillaume qu'il n'a pas appelé les gendarmes car il y a du nouveau. Sans révéler la source, il sait maintenant que ce n'est pas Stéphane qui est responsable des incendies mais Lionel. Louis veut divorcer. Salomé apprécie qu'il ait tout géré. Louis veut en faire la surprise à Charlène. Il a compris que c'est elle la femme de sa vie et qu'il avait besoin de quelqu'un qui ait du caractère. Charlène est touchée quand Louis lui apprend la nouvelle. Ce n'est pour autant le moment pour elle de revenir vivre avec lui. Au début Louis n'est pas ravi d'autant qu'il n'est pas vraiment le bienvenu chez elle. Mais Charlène pense qu'il y a certainement quelque chose à faire pour que ses parents changent d'avis. Et quand Charlène veut quelque chose, elle l'obtient. Charlène prépare le repas pour 6 car elle a invité Louis et sa mère au dîner. Ses parents n'apprécient pas d'être mis devant le fait accompli. Elle leur demande juste d'être sympa, ce qui semble difficile pour Emmanuel face à un détraqué. Constance tempère en lui disant que ce dîner pourrait apaiser les choses. Qu'Emmanuel ait décidé de ne plus s'opposer à leur relation est un fait mais de là lui dérouler le tapis rouge. Constance lui demande de se montrer conciliant afin que Charlène ne se braque pas. Emmanuel finit par comprendre et préfère laisser Louis se griller tout seul afin que sa fille comprenne toute seule que ce garçon est toxique. De son côté Théo ne veut pas faire d'efforts. Il n'oublie pas les sales coups que Louis lui a fait. Il ne croit pas à son histoire d'amour avec sa sœur et refuse encore moins de s'excuser. Il ne comprend pas pourquoi il est le seul à l'ouvrir et finalement tombe d'accord avec Louis quand ce dernier lui dit qu'il n'a plus rien à faire ici. Louis et sa mère partent pendant que Charlène dit à son frère qu'il est vraiment con. Antoine veut voir Lionel, ce qui l'inquiète. Il ne souhaite pas que son père soit accusé à sa place. De son côté Stéphane pense à l'avenir de son fils et, s'il ne peut plus être vigile, travaillera dans son futur resto. Lionel avoue être au courant depuis le début que son père est responsable de l'incendie. Antoine et Guillaume veulent engager la procédure de licenciement et avertir les gendarmes. Inquiet pour son père, Lionel promet qu'il ne recommencera pas. Mais une fois seul avec Guillaume, Antoine lui explique qu'il ne croit pas à cette histoire qui lui semble bancale. Personne n'a vu Stéphane le jour de l'incendie. Et ce dernier doit couvrir son fils.
Greg tente de rassurer Lionel qui se dévalorise. Il reconnaît faire n'importe quoi et trouve qu'il a ruiné la vie d'Elliot ainsi que celle de son père. Ce dernier s'inquiète des conséquences sur l'avenir de son père qui s'est dénoncé à sa place. Il pense que sa place est en prison. Greg n'est pas d'accord et lui rappelle qu'il est malade. Il ne doit pas tout gâcher d'autant que Stéphane s'est sacrifié pour lui, qu'il a le soutien de Kelly et qu'Elliot ne dira rien. Il lui demande ensuite de trouver un psy pour se faire aider. Dans le même temps, Greg propose à Lionel de demander à son père le nom d'un avocat car il en a plein parmi ses amis. Lionel lui demande si ça va mieux avec Elliot, ce qui n'est pas le cas. Justement, Elliot arrive et les traite de lâches. Il leur dit ensuite qu'ils sont tous les deux pareils, que de la gueule et pas de dignité et qu'ils le dégoûtent. Greg explique ensuite à Lionel qu'Elliot ne le dénoncera pas car il attend que ce soit lui qui le fasse pour lui prouver qu'il est une priorité. A priori, Lionel n'a donc pas à s'en faire. Plus tard, Elliot tente de stimuler son odorat sans succès. Antoine lui dit qu'il faut faire preuve de patience et ne trouve pas Elliot convaincu quand il lui annonce que c'est Stéphane qui a mis le feu. Antoine insiste et lui demande de parler s'il sait quelque chose.